Ma réaction est que nous sommes très heureux au niveau des anciens membres de la commission paritaire et aussi au niveau de l'Assemblée nationale, disons globalement, au niveau de l'Union syndicale de la nation. Nous sommes heureux que nous avons pu donner finalement à la République une équipe de la CENI qui est compétente et à regarder le profil des individus. Cette équipe, je l'ai dit, c'est la meilleure que nous ayons depuis 2006. Et qui est capable de nous offrir des élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel. Bien qu'on accuse M. Denis Kadima d'être proche du chef de l'État, vous affirmez que cette équipe sera une très bonne équipe en 2023. Mais ce n'est pas un péché. Il n'est pas interdit d'être proche du chef de l'État. Il n'est pas proche du chef de l'État, il est congolais. Cette équipe, elle est la meilleure que nous puissions avoir. Et je crois qu'à partir de ce moment, tous les débats appartiennent à l'histoire. Il faut que les gens s'apprêtent à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Ça ne sert à rien d'appeler le peuple à marcher. Vous avez vu, le peuple est content, le peuple est soulagé parce que son désir est d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Ça ne sert à rien d'appeler aux marches, il n'y en aura pas. Parce que le peuple veut les élections dans les délais constitutionnels. L'occasion faisant les larrons, la République, les Front commun, les Lamouka font bloc contre le chef de l'État. Votre réaction ? C'est que Lamouka est représenté. Lamouka est représenté à la CENI, l'honorable Ditu Monizi, plusieurs fois député élu de Tchangou. Pour le compte de Lamouka, représente Lamouka au niveau de la CENI. La majorité est complète, ensemble est très bien représenté. Le rapporteur adjoint de la CENI, c'est quelqu'un d'ensemble. Et je crois que les restes de l'opposition, ils vont se presser dans les jours qui viennent. Ils vont se presser pour envoyer les trois noms, les dossiers des trois personnes qui manquent pour être nommés et comme membres de la CENI. Merci beaucoup. Je vous remercie. Amindala. Aminadele Fonsuna. Nanobi Boye, la Mouka Azali na équipe en Yaseni. Député dit tout mon isi, va prendre un balai misak, et puis va prendre un wapi, na chango et tika bato, balinga kota la bamar, Azali membre Yaseni. FCC, volanda makambo wanate, et kolo ezo landa bazo, tinda bapombo na bango. Bino bokanisi, FCC Azali na makoki akosa na opposition à 38 ans, akosa na ngote. Moi, mi kolo ezo landa bogo, kabatini bazo se na bango. FCC Azali yoko nanano, makambo ya opposition à gogo kate. Mais on est comme il a passé ma côté d'abattre la banque pour être peuple n'a vu ce qu'il n'a pas pour nami la délai constitutionnelle. Les années sont quittées ma côté d'un pour tout bazo ou elle bazo ou elle a côté donc les années sont qui battent des n'a pas côté. Merci. Thank you.
commissaire électoral. Pensez-vous que le choix de Dika Dimakazadi est un choix judicieux qui répond aux critères parce que d'autres classes politiques les contestent? Bon, d'abord, revenant à la question de savoir si le choix est judicieux, il y a une équipe qui va traiter des dossiers et qui va qualifier le président Kadima de compétent. Et à mon avis, je n'ai pas vu une catégorie qui va contester la compétence de M. Kadima. Je crois que le problème n'est pas là parce qu'il n'y a pas un problème de compétence. Et quant au choix, le choix, lorsqu'il est lié à la compétence, je pense que ça vaut la peine que ça ait lieu. Je pense que le problème avec la désignation de cette équipe, c'est un problème consensuel. Et si on doit parler du consensus, on doit d'abord se rendre compte qu'on est en train de gaspiller le temps. Le cycle électoral, techniquement, il est prévu pour 5 ans. Et là, on est déjà au début de 2022. Il va donc nous rester 2 ans, 2022-2023. Et il est question maintenant qu'on aille vite en besogne parce que si on veut rattraper le temps. Si le problème est situé au niveau du consensus, ne vous en faites pas, les politiques finissent toujours par s'attendre et obtiennent toujours le consensus. Sur les 15 membres, il n'y a que 12 qui prêtent serment et les 3 autres pour la composition des positions politiques. Bon, sur les 15 membres, si vous parlez de 12, je vous ai parlé d'un problème de consensus. Si consensus peut avoir avant, pendant et après. S'il n'y a pas eu consensus hier, si aujourd'hui il n'y a pas consensus, demain peut y avoir consensus et les 3 se complètent. Je pense que c'est un problème qui peut être résolu. L'important c'est qu'on parle le même langage dans le processus d'organisation des élections qui vont avoir lieu en République démocratique du Congo et à l'échéance 2023. C'est un peu ça mes réactions à chaud par rapport à cette journée de prestations de serment. Merci Papa Nestor. Merci. De membres du bureau de la CENI avec en tête Kadima Kazadi. Vos impressions par rapport à cette nomination par le chef de l'État? Mon impression est simple, je suis très contente parce qu'on va avancer. La situation c'est de compter quand même sur le plan politique parce que vous savez comme moi que la CENI c'est un instrument qui va diriger les élections qui est une très grande action par rapport à notre démocratie. Au moins, on a avancé. Oui, d'autres personnes contestent la nomination de Kadima Kazadi comme quoi c'est un glissement, c'est un choix qui ne répond pas aux normes. Vous savez, on est en démocratie. On ne peut pas avoir l'unanimité de tout le monde. Donc, ceux qui contestent, ils ont raison, c'est leur droit. Et les autres avancent, c'est comme ça toujours en France. On ne peut pas avoir l'unanimité de tout le monde. Un message à Chilouba pour le choix. Tout dit pas loi, beaucoup s'inquiètent là. Ben ne bête pas Djibo, ben tu fais chez les Kalelu. Ben bon, ben tu sombre, tu dis ben dis que le mot français ben ni seni. Ben beaucoup ben les Kalumbandi. Tête ben tu vas quand Djibo, tu qui bête ne bête. Ben les Djibo en pala, ben tu sombre mou. Toi t'es dit, maman Lula Joséphine, ne maman dit non mon coco. Bon quand il te trouve maman, tu lui parles, tu lui dis ni qui santa. Mais pourquoi? Sacré et déjà prévisible avant Kokota naï. Tant Wazali Kokota, il nous est arrivé avec un cahier de charges. Toboy cahier de charge a telle formation du gouvernement. Après formation du gouvernement, maintenant c'est le bureau de la CENI. A Kendenaye, il a déjà coalisé avec Fayoul, ça n'a pas tenu. A coalisé na Kabila, ça n'a pas tenu. Il a coalisé avec nous, ça n'a pas tenu. A Kende maintenant coalisé, je ne sais pas, coalisé na Satan ou avec qui. Alors, Kolungwane na Katanyo sacré pour nous, c'est un non-événement. A Kokende, mais quelque part, a Kozala bloqué. A Kozala bloqué pourquoi? Bangona la Mouka Bafinga Kibiso qui est signé deal avec M. Kabila. Maintenant, ils ont signé un document commun qu'on appelle communiqué commun. Dans le communiqué, vous trouverez M. Fayoulou, vous trouvez M. Kabila, vous trouvez M. Mais il y a une année, Balobaki, ce n'est pas Tshisekedi qui dirige. Celui qui dirige, c'est M. Kabila. Mais on trouve que M. Kabila, Wazaki qui dirige Mboka, il va maintenant s'associer à Batou. Basale le Kobabengi, bloc patriotique pour la côté de la dictature. Alors, qui gère le pays? Qui dirige le pays? Parce que M. Kabila qui était notre géniteur, M. Kabila qui gérait dans l'ombre,
à saluer bloc Nabango pour accompagner le président Félix. Ce qui montre que le président fait son pouvoir dès le début. Et que Batounia Soufo Baye Baboye. Moïse Katumbi nous a trahis, comme il avait trahi Fayoulou, comme il avait trahi M. Kabila. Mais aujourd'hui, c'est son propre chef qui l'a créé. Pourquoi pas ba député Nyon Sobalungwe. Ba ministre Nyon Sobakotika. Il va là avec qui et pour faire quoi? M. Katumbi ne représente rien. Basangana, Naye, Nafayulu, Nakatumbi, Toko Kazé, Bangonege, Toko Krezaki, majorité ya FCC mécanique. Maton de Mingman. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour grand, vraiment, vraiment attendu. Où il y a des crispations aujourd'hui. Parce qu'on attendait. Et ça a été fait. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui a pris acte. Et les membres du bureau, tous, et le président Denis Kadima ont prêté serment. Tout ce que nous pouvons dire, que c'est une nouvelle donne. Hein. Je crois que nous pouvons leur faire confiance et prêter vraiment la main forte à aider à ce que ce bureau puisse travailler très bien. C'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et particulièrement pour maman Joséphine Kabeya, nous voulons dire ceci, que la femme de la RDC compte sur elle et nous sommes là. Toutes les femmes congolaises, à l'unanimité, disent que nous allons aider. Vraiment, la représentation de la femme par maman Joséphine Kabeya a travaillé autrement, afin que l'impact soit visible, jusque même dans les provinces. Donc, elle ne se suffit pas elle-même, elle reste ouverte. Moi, je crois que c'est à nous tous, toutes les femmes et les hommes, de prêter main forte afin que ce bureau réussisse à nous amener jusqu'aux élections crédibles et apaisées, surtout apaisées. Pourquoi Salimi Lelo et Zali voient mon corps légal? Pour l'anglisama, la moussala oyo banganganzambe basali, les six confessions religieuses, basali choix na bango, liboso na mwana mboka, malon enani kadima, oyo ayebi na kokamba mana équipe na nyonso oyo, basali au nombre de 15 personnes. Pour l'anglisama, la moussala banganganzambe basali, et lelo oyo, biso nyonso tout le baïke non, moussala banganganzambe basali, et zali moussala moko encourager et à féliciter. Raison pour laquelle au senga ki na tamo konte ekolo, étant que garant de la nation, le père de bon fonctionnement des institutions du pays, ayeba na kotia mokolo tonaye, pour na koyeba na ko investir mwana mboka malonda. Eh mwana mboka kadima. Et tata mo konze ko la bolingoaye, à l'accent qui réellement que non, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. La voix oh les six confessions religieuses basala qui soit la bangota qui voix démocratique, tata mo konze ko aye ka ka pona koyeba na ko kende. Na se ya musala o basala nzamba basala ki. Et raison pour laquelle le lobo monipe cour constitutionnelle la paroyer, balobi bisope toyeba na ko bianga bango po bayeba na ko prêter bango serment. Libo son la bakambia cour constitutionnelle pour na kotel sa que voix oh et bango baponaki ils allaient voir moko légal yango bo moni bino surtout beaucoup ti biso awa to eko participer na action pe to participer na événement moko oh et petitkali historique ko landisama na mokambia sika oh aye à la tête ya seni mwana mboka kadima oyo akomi mabiso d'abord na ba bonnes élections, les élections libres, démocratiques et transparentes. Mais ngai somi ba congolais pati malanga na lobaki avant que toki na maponami oyo mwana mboka kadima ko mabiso na yango, il faut toleka na zela recensement pour que toyeba banani baza ba vrai congomani pena ba o baza ba vrai congomani te faut to comprendre que non moi bo sambulu e ko ingelo kati ya ba congomani belé oyo baza ba nationalité boutise mwana mboka ni faut toleka na recensement. Est-ce que vous avez cette manière recensement 2023 et les tribunaux? Mais yo moko uta ko landa directeur ya onip ndenga lobaki na likambo etali motango bino benga kangona monoko abina la falanser recensement nga na mundela na monoko nga ba kanzali nga la biso benga ngo motango na likambo etali motango yemoko mwana mboka directeur ya onipa lobaiki e kozwa na biso mibu ebelete a peu près tout au plus 8 mois oyo soyika ba tie ba moyen oyo bango ba sengi à peu près au-delà de 8 mois, bah, quoi, bah, la co-organiser, au Italie, motango, na limemia, pena, kimenyo, so, pour que, bah, Congo, mani, basso, basso, à ma carte d'identité, na bango, conformément, qu'on l'indissama, na existence, bango, au katiambo, kabango, Congo. Et, n'a qu'on rassurer, ok, ceux qui, en gros, et salemi, n'est-ce qu'à beaucoup comprendre, pas, n'a pas d'abidon, le miso, au bah, qu'on l'inga, changement, le katiambo. La Moupa, FCC ensemble, ça nous bloque pour le président, pour forcer la président de la République, le parti du Congo, Fatih Bleto Mbaya, pour le PT, pour le ministre, le président, à l'obligation que vous voulez pour le président. Moi, il est venu par rapport. Pour la biso, ba vrai Congomani, ba ikio ba bundela mboka oyo, kolandisa mana bloc, oyo bango ba saliwana,
pour les non-événements. Parce que là, il y a le coup de dénomination Oyo. Un des cofaulo a tiré qui le bosseur a bloqué bon basalaki alors bas qui et il fallait babenga yango et ça lui bloque patriotique t'es pour la quoi bah la colite pour la dictature ou intérêt sont pas calme non et ça lui bloque moi quoi bah patriote oh et basan koluka koki en intérêt dialogue pour la quoi bah la pour protéger rien que bah intérêt la bango personnel égoïste et les lo oh bah qui ne veut ça la bloque n'a pas la misère manani parce que alternance c'est salement vrai alternance yango bien sur mon yango oh les lo et ça lui qui moi la moka Félix Antoine Tshisekedi afin d'engouender à pouvoir voyer mais oh les lo pour moni qui est au pays liberté d'expression droit de manifestation bah donc manifester librement en dehors une à deux semaines bon moni bande quoi la muka bah ça les meeting bah ça les marches et tu vas la consoler maté à ta coup de gazité à ta balité c'est là qui prouve que non tu côté déjà la forme encore démocratique oh yo moi la muka Katumbi à ça lui pour la mission et ça n'a non événement parce que tu y es bien il a trahi Kabila il a trahi aussi nous l'IDPS à niveau à Genève vous voyez bien il a aussi trahi Fayulu le logo et le lazo ngeki est-ce que à cause de l'exemple n'est le connu ce qui bino boye biete nous sommes toyé bi oh il y a zako sala et ça pour la koluka rien que intérêt personnel là il nous a combattu même la sortie gouvernement vous pensez que vous sambulo ya sala gate et le logo que tu es dans cela seni il est encore venu pour nous combattre toujours voilà ba intérêt avec un personnel colandi ça ba exigence moi il a fait ça qui si ni tete ko zongi sala dans cela colandi ça ba exigence naé mais le logo mon la gare za na biso. Il a demandé le poste de vice-président à Séné. Mais tu as vu ça que conformément à ce qu'on a dispatché, il y a un partage. Modèle Oyo Sengeli, vous avez le droit à vous voir. Parce que vous avez que 70 députés, Bandeko Baouti FCC, elle, vous avez soutenu l'Union Sacrée. Vous avez le droit à l'effectif Oyo Sengeli. Donc, surtout qu'il y a un partage, vous avez l'équitable. C'est là qui prouve que non. Oyo Bango Bazan Bossala, si vous croyez qu'ils sont là derrière l'intérêt général de la population, c'est faux et archi-faux. Ils sont là que rien que pour leurs intérêts égoïstes et personnels. Sabino que l'aide de ces quatre matières pour repasser la raison à Kamnei, la majorité va nous passer le bloc. On a eu un peu de la communauté, mais il y a un peu de la Luka ouvertir. Oui, il y a un peu de sauvegarder bien à intérêt à Bango. On va dans la carte. Avec en tête Kadima Kazadi. Vos impressions par rapport à cette nomination par le chef de l'État? Mon impression est simple, je suis très contente parce qu'on va avancer. La situation s'est décomptée quand même sur le plan politique parce que vous savez comme moi que la CENI c'est un instrument qui va diriger les élections qui est une très grande action par rapport à notre démocratie. Au moins on a avancé. Oui, d'autres personnes contestent la nomination de Kadima Kazadi comme quoi c'est un glissement, c'est un choix qui ne répond pas aux normes. Vous savez, on est en démocratie, on ne peut pas avoir l'unanimité de tout le monde. Donc ceux qui contestent, ils ont raison, c'est leur droit. Et les autres avancent, c'est comme ça toujours en démocratie. On ne peut pas avoir l'unanimité de tout le monde. Un message à Nchiluba pour le choix pour tu dis pas loi, quoi que ça qui dit là, ben ben tu vas dire que tu vas chercher quelque chose, quoi bon, quoi tu sois, tu dis mais quel mot français, quoi ni seni, quoi que ben là calumbandi, tête ben tu vas quand j'vois le truc bien tu ben les gens pas là, tu dis son mot et mot, toi t'es dit maman a loué Joséphine, ne maman a dit non mon coco, quoi le cas tu vas maman tu dis pas loi, tu dis ni qui santa, quoi que mona quoi ni malu a dit aye bimpa, tu dis ton mot. Mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps,
Yakuli. Toi, c'est que tu